La SMUR, structure mobile d'urgence et de réanimation du CHU de Rouen, intègre de la sophrologie à ses activités. Le but, réduire le stress et soulager la douleur des patients lors de leurs interventions. Et vous vous laissez totalement bercer par votre propre respiration. Alors ce sont des techniques en fait de respiration, de visualisation positive et de stimulation corporelle, alors quand c'est plutôt du relâchement musculaire, qui permettent aux patients en fait un certain relâchement, une détente pour essayer d'apaiser en général plutôt les souffrances en SMUR. Une approche des soins unique en France dans le secteur de l'urgence. La condition première, c'est l'accord de toute l'équipe. Il faut que toute l'équipe adhère au fait que je me mette à faire de la sophrologie sur l'intervention. Et également un patient, on va dire, plutôt réceptif et qui ne va pas aller à l'encontre de mes méthodes proposées. Les bénéfices sont multiples. Des patients plus sereins, un entourage rassuré et des soins facilités pour l'équipe médicale et soignante. La sophrologie a un apport dans l'antalgie, donc le traitement de la douleur principalement, et puis calmer aussi les patients. Et on a eu des interventions avec M. Delpierre, où il nous a apporté beaucoup avec la sophrologie. C'est un soin et c'est un atout pour nous considérable sur la prise en charge de la douleur en préhospitalier, dans une période de stress pour les patients, et des périodes très douloureuses aussi sur des fractures ou d'autres exemples. Une pratique qui ouvre de nouvelles perspectives pour le service. Dans un premier temps, nous aimerions pouvoir axer notre dynamisme dans cet axe sur un projet de recherche. D'autre part, nous aimerions également pouvoir proposer aux professionnels intéressés une formation un peu plus poussée pour pouvoir également avoir une approche autour de la sophrologie dans leurs soins, puisqu'aujourd'hui nous disposons d'un seul professionnel sophrologue reconnu par l'État. Et dans un dernier temps, nous souhaitons pouvoir proposer aux professionnels qui le souhaitent des séances d'une part en individuel et d'autre part en collectif pour pouvoir prendre du recul sur la pratique. Rappelons que la SMUR réalise plus de 6000 interventions par an suite aux appels reçus au centre 15.